et en particulier pour les femmes, que leur trait de caractère prépondérant, c'est la Emouna. Le trait de caractère prépondérant chez l'homme, c'est la Torah. La femme, c'est la Emouna et la prière. C'est pourquoi l'homme, ça correspond à la dimension du soleil. Et la femme correspond à la dimension de la lune. Comme la même dimension que le roi David. Le roi David, il a appelé la lune. Et il a dit, moi je ne suis que prière. Et c'est pour ça que par le mérite des femmes, on a été sauvés, délivrés. Et par le mérite des femmes, on sera délivrés dans les temps futurs. Parce que les femmes, elles sont beaucoup plus proches de la Emouna et de la prière que les hommes.